Je suis chercheuse postdoctorante en histoire contemporaine du Brésil, du Portugal et des pays africains de langue officielle portugaise. Et je travaille sur les pratiques militantes culturelles dans ce large espace lusophone transatlantique. Après avoir fait une thèse sur l'humour graphique sous la dictature au Brésil, je travaille aujourd'hui à la Casa de Velázquez sur les circulations de dessins et de leurs autrices et auteurs entre le Portugal et le Brésil dans les années 60 et 70. Et je dois tenir compte d'une temporalité un peu particulière, puisque la période correspond au Brésil aux années de plomb et au Portugal aux 15 dernières années du régime salazariste. Je suis basée à Lisbonne et je travaille dans les archives, je cherche les traces, les marques tangibles de ces circulations. Par exemple, le Diário Popular, un journal portugais, commence à publier en 64 une chronique pif-paf qui est envoyée par Miller Fernandes, qui en fait a dû fermer son journal pif-paf au Brésil et envoie en fait sous forme de chronique pif-paf au Portugal. Un autre exemple, c'est celui de l'écrivain brésilien Josué Guimarães, qui s'exile au Portugal et commence à publier le journal Chaimichi sur un modèle très similaire à celui du brésilien Pasquim. Donc ces quelques exemples, parmi beaucoup d'autres, permettent de travailler sur les contournements des interdictions imposées par les régimes censoriaux et répressifs. En plus des archives de la police politique portugaise, la PID, je travaille aussi sur les fonds de la censure, les fonds du Service national d'information, avec par exemple une section de l'échange luso-brésilien. Donc un ensemble de documents qui en fait me permettent de comprendre les reconfigurations des styles, des formes, des pratiques de l'humour graphique, tout en travaillant sur les représentations caricaturales réciproques entre le Brésil et le Portugal au cours d'une décennie charnière de leur histoire contemporaine.